Et voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis toujours en compagnie de mes acolytes qu'il faut que vous rajoutiez sur Insta. Donc aujourd'hui on va rentrer dans un quartier, on va rentrer avec la voiture du frérot Steven, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire cette vidéo. On va aller dans le quartier avec la musique à fond et ça sera une sirène de police comme musique. Le but de cette vidéo c'est de voir si les gens, si les jeunes et s'il y en a, voir comment ils vont réagir face à la sirène de police. Donc j'espère que cette vidéo va bien se passer. Sachez qu'on prend énormément de risques pour tourner cette vidéo et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous deviez les rajouter sur Instagram, c'est très important. On va voir dans le quartier s'il y a des jeunes et s'il y en a, on va faire ce qu'on vient de vous dire. A plus. Ah, il y a du travail là. Ouais, parce qu'ils sont je sais pas combien, frérot. Trop de monde. Il y en a, attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et il y a un petit. On prend quelqu'un dans la voiture aussi. Ça fait les gars de chaud, on prend la voiture et on met la suite. On y va de terre. En gros, ça va faire un coup, c'est obligé. Et ouais, les gars, on est 4, 5, comme ils sont. Et alors ? Parlez plus du tout. Vas-y, on y va, toi. On y va, on prend la voiture. Vous êtes chaud à y aller ? Ouais, c'est bon. On a quoi, toi ? Gros, il va me prendre. Basta. On y va. Les gars, on y va avant de se faire griller. Bon les frérots, on est 5 dans la voiture. Même plus, 6. On est 6 dans la voiture, il y a le caméraman, il y a Eddy, Soso, il y a tout le monde. On va aller devant les jeunes, on va arriver à fond avec l'alarme des flics. Voilà, on va arriver avec cette alarme, cette sirène devant les jeunes pour voir si justement ils partent en cabalant. C'est une blague, il n'y a rien de méchant et voilà, je pense qu'ils vont le prendre à la rigolade parce que... on fait rien de mal, tu vois, au final. Donc là, on va y aller, on sait pas comment ça va se passer. Une chose, les gars, c'est que si ça part en couille, faut tempérer le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas envenimer les choses, faire les voyous. C'est nous, on entorse, c'est nous, on fait les sgags. Voilà, hein? Toi, je vais te poser au même endroit que tu as filmé tout à l'heure. Okay. D'accord? Et tu nous attends. Là, au virage, tiens-moi la sonnerie, ok? Oui, c'est bon. Allez. Maintenant. Voilà qu'il est tombé. Par là, il part. On va leur dire que c'est une blague, non? On va leur dire. Ah ouais. Ils sont énormes. Eh frérot, tu le sais qu'ils sont énormes. Ah ouais. Ah les gars, c'était une caméra cachée, c'était une blague. C'était une blague. Non, c'était bien, parce qu'on fait des vidéos. Ah, tu crois qu'on reconnaît avec des trucs comme ça ou quoi? Parce qu'en fait, on fait des vidéos sur YouTube. Y'a pas de vidéos sur YouTube, y'a rien du tout. Là, tu mets au quartier, tu nous déranges. Nous, on est là, peut-être, on fait du business, on fait des trucs, tu viens comme ça, tu as pété les plombs, quoi. Là, tu crois quoi? Tu me fais perdre de l'argent comme ça, tu as saisi ou quoi, frérot? Après, les gars, je suis désolé, moi, c'est juste vraiment pour une blague, tu vois, excuse-moi. Y'a pas de blague. Maintenant, comment on fait? Maintenant, comment on fait? On va prendre notre voiture, on va se tailler. Y'a pas de blague, vous êtes là, vous faites des trucs de gamins. Non, y'a pas de rigoler. Ça va, vas-y, on va parler tranquille, on va pas faire les haggers, on va parler tranquillement. T'imagines, là, y'a un charbon à 15 000 euros, tu fais ça, frérot. Tu me fais perdre 15 000 euros. Tu crois que tu as taillé comme ça ou quoi? T'as saisi ou quoi? Y'a pas de YouTube, y'a pas de vidéo, là, c'est la rue, frérot. Là, tu viens d'un quartier des gens, frérot. Mais attends, nous aussi, on vient pas de je sais pas où. On s'en bat les c***. Tu connais chez toi, alors tu connais ça, tu veux pas le faire chez toi. Mais frère, on l'a déjà fait chez nous, y'a pas de soucis. Eh ben, chez nous, ici tu fais pas ça, on rigole pas, mais on fout pas. Ici tu fais pas ça, frérot. Mais en plus, faites moi, t'as dit, on fait après, là, tu me parles de 15 000 euros. Tu m'as dit, on fait. Comment, Zarnan? Parce que vous êtes 15, ça y est. Attends, les gars, je comprends pas. Y'a même pas de tu comprends pas de 15 déjà, tu fais le gamin. Ça sert à rien de parler, frangin. On va se tailler, on prend une voiture, on s'arrache. Maintenant, je sais pas, c'est quoi? Vas-y, montez dans le parler. On a manqué de respect à personne. Si, tu nous manques de respect, tu nous manques de respect, les gars. Comment y'a personne? Tu vois bien qu'on est là, on est parti. Pourquoi sa caméra va aller? La baissera pas, la caméra. C'est bon, baisse la caméra. Rentre dans la voiture, baisse la caméra, c'est bon, les gars. C'est bon. Ah c'est bon, les gars, on a parlé tranquille. Monte dans la voiture, je parle plus. Maintenant je parle plus, monte dans la voiture. Vas-y, monte dans la voiture. Monte dans la voiture, c'est bon les gars, montez dans la voiture. Taillez-vous, montez dans votre voiture. Les gars, écoutez, ça sert à rien parce que ça va sortir des choses, après on va être obligé de revenir, de faire des trucs. Nous on fait des vidéos, nous on fait juste des vidéos sur YouTube, on n'est pas là pour foutre la merde, on n'est pas des condés, on n'est rien du tout. On est juste venu ici pour faire des vidéos. Maintenant, on va parler tranquille, on va monter dans la voiture, on va se payer. C'est pour ça que je te demande, c'est bon, c'est ça je me l'amène dans la voiture. Ouais, mais frère, ne sois pas menaçant, j'ai pris parce que vous êtes sincère. Monte dans la voiture, vas-y. Là on n'est pas en position de force. On a mis l'eau, vous avez personne à regarder la personne. Ben voilà, non, mais respect, frérot, moi je viens des quartiers. Je te dis juste, voilà, il n'y a pas de menace ni rien, on va monter dans la voiture, on va se tailler parce qu'on a dit on a fait des vidéos sur YouTube. Vous l'avez mal pris, je peux comprendre. Non mais c'était. Tu as vu, c'était un risque à prendre. On s'est mis d'accord. Déjà c'est que le truc il est pas à lui. Après c'est pas un problème ça, nous on vous a dit, vous avez mis les choses au clair, vous a dit qu'on est là pour rigoler, on a fait une dédé. Après on rigole pas, nous on rigole pas. Eh ben c'est bon, rigole pas, on rigole pas, si on a des problèmes à régler, on monte des équipes. C'est bon, c'est bon, je sais pas, vous faites les gars du front et en plus. Mais frérot, non. Y'a pas de voyous, frérot, on t'explique les choses. Non, mais on t'explique les choses. On te dit les choses gentiment. Après, je comprends que tu l'aies mal pris. Je comprends, je m'excuse. Mais frère, après, faites pas les. Tu vois, je veux dire, mais pas la mettre dans la sacoche comme si tu allais sortir un truc. Faire un moulin d'entrée, tu vois ce que je te dis. Bah, c'est bon, Anto, mais c'est quoi, même plus je parle. Anto, viens, style, ça y est. Ah, frangin, parle bien par contre. Non, en vrai. Parle bien. Ah, frangin, non, vas-y, rentre. Les amis, je suis vraiment désolé de vous stopper en pleine vidéo. Je suis vraiment désolé de vous enlever l'action qu'il y a eu. Bien entendu, il y a une solution si vous voulez voir la suite et je pense que vous irez la voir. La deuxième partie se trouve dans la description. J'ai mis un lien avec une phrase avec écrit suite de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous aurez accès à la vidéo. Bien évidemment, vous montrera la suite de ce qui s'est réellement passé. Moi, je vous laisse tranquille et je vous dis à tout de suite sur la deuxième vidéo pour une conclusion. À tout à l'heure.